Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Rock Cholette. Merci beaucoup d'être là, puis merci de partager le podcast, ça ferait bien notre affaire. J'espère que le week-end a été superbe pour vous. Finalement, il annonçait pas mal de températures plates, finalement ça a été pas pire. Donc, on débute une semaine d'actualité importante cette semaine, donc demain, notamment mise à jour économique, bien sûr. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet peut-être un petit peu plus compliqué, un peu plus technique, un sujet qui fait pas beaucoup, beaucoup les manchettes, un sujet qui, probablement pour vous, au commencement, à prime abord, vous allez dire « ça ne m'intéresse pas vraiment ». Mais je vous le jure, là, que le sujet dont je vais parler aujourd'hui, dépendamment des décisions qui seront prises, va affecter votre quotidien, va affecter votre avenir à Gatineau, va affecter les soins de santé que vous allez recevoir. C'est un moment extrêmement important pour une décision, une seule décision, qui va affecter l'avenir des soins de santé et le développement de notre région et de notre ville de façon importante. Ça va affecter là, de façon inouïe la suite des choses. Alors, je vous le demande, suivez-moi jusqu'à la fin, parce qu'il est temps qu'on mette un peu de pression pour s'assurer que la meilleure décision, en tenant compte de tous les intérêts, de toutes les préoccupations, soit prise. On prenne tout en ligne de compte pour prendre la meilleure décision possible. Et je vous parle du choix du terrain pour l'implantation du méga hôpital à Gatineau dans 10 ans. Je veux vous parler de cela parce que je suis très inquiet de voir comment c'est parti tout cela. Je vais rappeler certains faits, là. Alors, les faits, c'est que le gouvernement de la CAQ a décidé que pour régler les problèmes de santé en Outaouais, on était pour bâtir un nouvel hôpital dans 10 ans. Évidemment, c'est long bâtir un hôpital, il faut commencer maintenant. Ça veut dire qu'on va voir le résultat final dans 10 ans. On va avoir un hôpital, donc, un seul, ce qui va vouloir dire, là, soyez conscients de ça, là. Les gens de Gatineau, on va fermer l'hôpital de Gatineau tel que vous le connaissez. Pas encore défini exactement qu'est-ce qu'on pourra avoir comme service à Gatineau, mais l'hôpital, ça ne soit plus Gatineau. Même chose pour Hull, il va y avoir un seul méga-hôpital de 600 lits, c'est énorme, avec 67 civières à l'urgence et 19 salles d'opération. Le bloc opératoire va avoir 19 salles. C'est un milieu qui va avoir autour de 5000 employés au total. Pas tous en même temps, là, mais 5000 employés. Bon, je vous le disais, 600 lits. Prenons une personne par chambre, prenons un visiteur par personne, prenons le monde à l'urgence, aux cliniques externes, aux examens, en radiologie, etc., etc. Donc, c'est des milliers de personnes qui vont transiter à travers l'hôpital à chaque jour. Tout ça pour dire que c'est gros, là. On va investir, écoute, on est aujourd'hui puis on est en train de planifier que c'est un coût d'environ 1,5 milliard de dollars. Ça, c'est 1,5, c'est 1 500 000 millions. 1,5 milliard de dollars. Et ça, c'est sans compter le coût du terrain, sans les imprévus, etc. Alors, c'est un projet majeur. Donc, en termes de grosseur, en termes de coût, en termes d'achalandage, en termes d'importance stratégique du terrain. Il y a un comité présentement au CISO qui est dirigé par un homme, Michel Parent, puis la Société québécoise des infrastructures est impliquée là-dedans. Et ils sont en train d'utiliser certains critères pour choisir ce fameux terrain-là. Et on nous a dit que le choix du terrain devait être fait probablement avant la fin de 2022. Écoute, c'est dans quelques jours, ça, avant 2022, donc dans quelques jours, d'ici quelques jours. Et c'est pour ça que c'est très inquiétant, parce que lorsqu'on regarde ce qui transparaît de tout cela, c'est que pas mal le critère officiel qu'on utilise, c'est qu'on a décidé de mettre la barre sur le choix d'un terrain en utilisant une grandeur de terrain.
plutôt que sa position stratégique, sa position géographique. On a dit qu'on a besoin d'un terrain de 150 000 mètres carrés. C'est-tu gros, ça? Bien, c'est mettez 10 terrains de football ensemble. 10 terrains de football canadiens, là, c'est à peu près ça la grosseur du terrain qu'on cherche. Bien sûr, les critères médicaux sont importants, là, style combien de temps les ambulances, puis bon, etc. Mais il me semble que c'est une occasion unique pour aussi choisir ou d'utiliser d'autres critères que simplement les critères médicaux, considérant que l'implantation d'un projet aussi important va avoir des impacts, des conséquences puis des avantages incroyables. Parmi les impacts, il faut penser les impacts économiques, là, d'amener 6 000 travailleurs en rotation, des milliers de visiteurs à chaque jour. Ça veut dire qu'autour va se développer des services connexes, va se développer de la restauration, va se développer des cliniques médicales, va se développer de la physiothérapie, va se développer des pharmacies, des orthophonistes, des psychologues. Fait qu'on va avoir une communauté tout autour. Alors, il faut que le terrain choisi permette cette communauté-là, puis de le développer. Puis, ça, c'est une chose. Il va avoir un impact environnemental majeur également. C'est sûr qu'on veut mettre ça dans un endroit où, bien, un, c'est accessible. C'est accessible comment? Bien, c'est accessible, bien sûr, en voiture. Mais il faut que les ambulances y aient accès facilement, donc pas loin des autoroutes, pas loin de grands boulevards. On ne peut pas mettre ça n'importe où. Puis, il faut que le transport en commun soit déjà pas mal structuré. Peux pas mettre ça dans un champ. Tu peux pas mettre ça où est-ce que notre transport structuré, que ce soit, par exemple, le rapibus ou que ce soit éventuellement peut-être le train. Tu sais, je veux dire, il faut que tu sois autour de ça. Ça n'a pas de bon sens de mettre ça exigu par rapport à des critères de transport en commun qui a du bon sens. Je pense aux travailleurs. Bien sûr, personne qui est blessé s'en va pas à l'hôpital en autobus. Je comprends ça. Mais pour ce qui est des travailleurs, par exemple, c'est autrement. Puis l'autre chose, c'est aussi le critère de proximité des clientèles. On peut pas mettre ça nécessairement bien exigu par rapport aux clientèles que l'hôpital va desservir. T'sais, tu ne mets pas ça sur un petit bout du territoire. Si tu desserres une grande tarte, tu mets ça plus dans le centre qu'à l'extrémité de la tarte. Alors, bien sûr, pour une ville comme Gatineau, le choix stratégique est lourd de conséquences, notamment sur sa responsabilité par la suite. Que ce soit en services municipaux, y a-tu assez d'eau, y a-tu assez d'égouts, y a-tu assez d'aqueducs, mes routes sont suffisamment planifiées pour accueillir ce volume de circulation-là? Est-ce que mon transport en commun est adapté pour être là? Parce qu'on paye une grosse partie, nous autres, à Gatineau, de la STO. Est-ce que mes lignes sont là? Et c'est en même temps une occasion extraordinaire pour se servir de cet ajout majeur. On n'a jamais eu ça, là, moi, je ne me souviens pas, un investissement de 2,5 milliards. Là. Mais c'est tellement majeur pour l'avenir de Gatineau que tu dois incorporer le choix du terrain, les critères pour choisir le terrain. Faut que tu utilises des critères d'aménagement et d'urbanisme pour dire où est-ce que je devrais le placer. Stratégiquement, pas juste pour des motifs de santé, mais pour des motifs également d'aménagement puis de développement urbain. Tu t'en vas pas mettre ça dans un champ, tu t'en vas pas déboiser des endroits où il n'y a pas de transport en commun, tu t'en vas pas mettre ça en périphérie. Il faut que tu te serves un petit peu de ta logique pour dire, attends une minute, là, il faut absolument que la ville de Gatineau soit partie prenante, donc aux échanges, à l'élaboration des critères. Et c'est là que j'en suis. C'est là que j'en ai beaucoup contre le processus présentement, notamment parce qu'on ne voit pas les critères qui sont utilisés. On n'en voit qu'un seul ou à peu près, c'est le 150 000 mètres carrés qu'on exige pour le terrain. Mais on ne voit pas beaucoup d'autres critères et ça m'effraie parce qu'il devrait y en avoir plusieurs autres, notamment la question des routes, notamment la question du transport en commun, notamment de l'impact économique de l'arrivée d'un hôpital comme celui-là, notamment sur le redéveloppement que ça pourrait produire autour de l'hôpital. Bien sûr, aussi des critères médicaux, à savoir, je suis assez central, combien de temps ça me prend en ambulance pour venir, par exemple, du Pontiac, pour venir de Buckingham, de Turceau, etc., etc., bien que tu aies un hôpital qui s'en vient à l'est avec Buckingham, mais il y a d'autres facteurs, bien sûr, qu'il faut tenir en ligne de compte. Mais la présence de la ville, puis le service d'aménagement, puis le politique de la ville de Gatineau, ça doit être aux premières loges, là, quand tu vas investir 2,5 milliards. Ça va être l'ancrage d'un redéveloppement majeur, cette affaire-là. Si on le met au bon endroit, on peut s'en servir pour
pour faire du pouce, pour exploser l'impact positif de l'arrivée de l'hôpital, pas juste en matière de santé. D'ailleurs, je veux prendre le temps nécessaire pour vous parler de ce critère de 150 000 m², 10 terrains de football. On pourrait dire, ben, ça avait du bon sens, c'est un grand terrain, puis on a de la place, puis bon, c'est correct. Mais en faisant cela, on se limite énormément dans le choix de terrain qui, dans une certaine mesure, pourrait être plus profitable pour la relance économique. Des terrains, des 10 terrains de football vacants au centre-ville de Hull, de Gatineau, d'Elmer, il n'en mouille pas. Alors, quand on se met des critères comme cela, on s'attache les mains. Maintenant, posons-nous la question, est-ce que c'est normal d'utiliser un si grand terrain pour bâtir un hôpital de 600 lits? Bon, je sais que toute comparaison est boiteuse, puis je vous dis, j'ai fait une analyse très sommaire de cette patente-là, parce qu'on entendait que le CHUM à Montréal était bâti sur beaucoup plus petit. Évidemment, il y a plusieurs pavillons, il y a un amphithéâtre, il y a un bureau juste de clinique externe, il y a un pavillon juste pour des bureaux administratifs. Mais si je fais, j'évacue tout cela, là. Puis je regarde l'hôpital, le bloc où il y a des chambres. Je veux vous parler de ça. Je veux vous parler pour vous donner une commune mesure. Je vous rappelle, gardez en tête, là, ici, 600 lits, 150 000 m². À Montréal, le bloc D, le bloc principal D où il y a les chambres, compte 772 chambres au CHUM à Montréal, ce qui représente 29% plus de chambres qu'à Gatineau. Le plus gros. Il va avoir 39 salles d'opération. C'est le double qu'à Gatineau. Puis il va avoir 415 salles d'examen. Ou il y a, je ne devrais pas dire il va avoir, il y a, c'est bâti. En plus de ça, sur le site dont je vais vous parler, alors, il y a une tour hein, de 25 étages, incluant 5 étages de stationnement souterrain. Il y a tout cela, là, 772 chambres, 39 salles d'opération, 415 salles d'examen. En plus de ça, sur le terrain, il y a deux bâtiments historiques qui ont été préservés. La maison Goethe et le clocher de l'église Saint-Sauveur. On a gardé ça sur le site. Il y a 502 cases de stationnement intérieur dans les 5 étages dont je vous parlais. 502 cases intérieures. Et tout cette patente-là, là, 772 chambres, ah ouais donc, là, les deux bâtiments historiques, du parking en masse, puis tout ça, là, entre sur un terrain présentement de 10 000 m². Le CHUM, 29% plus de chambres, deux bâtiments historiques, deux fois plus de salles d'op, ça rentre sur 10 000 m². Nous, on exige 150 000 m². 150 000, là-bas c'est 10 000. Pourquoi? Ben, parce que à Gatineau, on veut économiser. Parce qu'à Gatineau, on ne veut pas faire de parking souterrain. Parce qu'à Gatineau, on ne veut pas bâtir 25 étages. Ça va coûter trop cher. On veut bâtir plusieurs plus petits bâtiments. Puis probablement qu'on veut du stationnement en étage. C'est pour ça qu'on demande si grand, pour avoir cette option-là. Mais ce faisant, vous réalisez qu'on s'enlève des terrains stratégiquement positionnés pour non seulement créer un nouvel espace d'hôpital majeur intéressant, mais qui pourrait être utilisé aussi pour la relance, notamment, par exemple, du centre-ville, du secteur Hull, ou d'autres secteurs qui n'ont peut-être pas le 150 000, mais qui sont à côté des transports en commun, etc. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est sûr qu'il faudrait considérer dans les critères les questions environnementales. C'est sûr qu'il faudrait considérer les questions environnementales sur l'impact sur la desserte autoroutière, le transport en commun, etc., etc. La capacité d'y aller à pied, la capacité d'être proche de l'habitation pour que les gens puissent y aller en vélo ou à pied, travailler, par exemple. Les capacités de développement économique. Bon, j'en parlais tantôt. Les liens routiers, puis les liens de transport en commun. Donc, la ville de Gatineau doit jouer un rôle dans le choix du terrain.
la ville de Gatineau doit dire, dans ma planification, ouais, ça fit là, ça a du bon sens là. Ça serait pas trop cher à aménager mes routes, puis j'ai ma station de pompage est suffisante, puis j'ai mes infrastructures correctes, puis mon transport en commun va là, pas de problème, ça prendrait pas 2 heures à partir de Buckingham en autobus pour se rendre là, puis ça me prendrait pas 2 transferts, pis etc. Tu sais, quelqu'un qui part de Buckingham pour aller travailler, je veux pas qu'une fois bâti, on dit, ben là, ça n'a pas de bon sens, ça me prend 2 transferts, il faut arrêter ça, ça me prend une ligne directe, puis là, les coûts augmentent, parce que là, c'est plus la santé qui paye ça, hein? C'est nous autres. Puis c'est la ville, puis c'est Transport Québec, t'en vois donc. Fait que, est-ce que l'argent va être au bout de la ligne? Puis est-ce que le service va être efficace? Il faut penser à tout cela. Et ce qui est intéressant, ou très apeurant, je devrais dire, c'est que là, quand je regarde les terrains, on regarde ce qui est sorti, ce qui a filtré, les terrains. Je vais y aller rapidement. On a, on ziote un terrain dans le parc de la haute technologie. Écoute, moi, je t'ai conseillé des hautes plaines. Le parc de la technologie, c'est le point le plus au nord, si tu veux, nord-ouest, ouais, de Hull, à côté de Chelsea. C'est in the middle of nowhere. Il y a l'autoroute 5 là, mais that's it. Loin, à part ça, là, ça te prend un croche pour y aller. Il n'y a pas de transport structurant là, mais pas pantoute. Il y a des grands champs, mais c'est parce qu'on est à côté de Chelsea, puis c'était destiné à un parc industriel. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de services là. Maintenant, l'autre terrain, c'est Asticot. Asticot, qui est plein dans le parc de la Gatineau. Le développement autour va être un saccage environnemental s'il faut développer là. Si tu es des jeunes et pas un artère pour accueillir ce volume de circulation-là, nos transports sont pas hyper adaptés pour un transport urbain, STO n'est pas adapté beaucoup pour aller là. Alors, c'est vraiment loin d'être idéal. Un petit peu plus central, pas loin de l'hôpital actuel de Hull, mais c'est pas idéal, mais pas pantoute. Imaginez la difficulté pour les ambulances de se rendre là. L'autre terrain, il y aurait un terrain à Elmer qui serait près du Rapibus, que j'ignore exactement où. Bon, au moins, il y a cet avantage-là. C'est entre Hull et Elmer. Pourrait être intéressant. Puis on parle aussi du cratère à neige, qui, dans le fond, est coincé entre la rivière Gatineau puis le Rona, le Renault dépôt. Donc, dans une zone industrielle, pas beaucoup de chances de créer de la richesse économique autour de ce développement-là. C'est très, très exigu comme endroit. On ne pourra pas beaucoup extensionner vers l'extérieur de cela, mais l'avantage, c'est bien sûr, le Rapibus passe juste là. Il y a aussi le terrain de Gertin. Le terrain de Gertin qui a été discarté d'emblée parce qu'il n'est pas assez grand, selon le critère de 150 000 m². Mais j'aimerais ça qu'on en parle un peu, parce que le terrain de Gertin, oubliez la superficie 2 minutes, contient certains avantages. Premièrement, il va être démoli, ça va être démoli de Gertin. Il est déjà propriété publique, ne coûtera pas une scène. Stratégiquement, il est positionné à côté de 3 boulevards majeurs. Sacré-Cœur, Saint-Rédempteur, Montclair, Allumetière. Il est à côté de l'autoroute. 50. On a le transport en commun qui est là avec le Rapibus. Alors, on a déjà, en termes d'accès automobile, c'est extraordinaire. En termes d'impact économique, c'est le meilleur terrain pour créer un renouveau, un vent de richesse sur l'île de Hull, ça c'est bien certain. Donc, il rencontre pas mal de critères. Donc, le Rapibus, les accès autoroutiers, et là, on parle de la superficie du terrain. Je vous rappelle qu'au CHUM, on avait 10 000 m² pour bâtir tout ça. Si je prends le terrain de Gertin tout seul, actuel, il fait 43 000 m². 4 fois CHUM. Il y a où le problème? Si je prends, pour le fun, on fait des calculs. Si je prends Gertin, comme vous connaissez, puis je prends le Jetami, qui est très mal positionné de toute façon, je prends le Jetami, de toute façon, Gatineau a exproprié les 7 maisons qu'il y a là. Je prends ça. Puis le bâtiment sur le top, là. Il y a un petit bâtiment là qui est facile à exproprier. Il n'y a pas beaucoup de choses. Des groupes communautaires faciles à relocaliser là-dedans. Si je prends cet ensemble de terrain-là, je passe à 70 000 m². Oups! Je passe de 43 à 70. Ça, c'est intéressant. Un peu plus. C'est 7 fois plus qu'à Montréal pour bâtir, là. Puis j'ai besoin de moins de chambres. Fait que je devrais être capable de rentrer ça là-dessus si je fais ça comme du monde.
Je continue. Admettons que je dis que non, c'est pas assez. Est-ce que je suis capable de trouver 150 000 mètres carrés au centre-ville? Eh oui, tu es capable. Tu prends tout le terrain de Gertin dont je viens de vous parler. Tu prends Polyvalent, à côté, le terrain de tennis, le soccer, la caserne d'incendie. Prends tout ça. Imaginez l'impact. Tu as un méga centre hospitalier au côté du ruisseau de la brasserie qui donne sur Saint-Rédempteur, Sacré-Cœur, Allumetière, l'autoroute 50. Tu as un aménagement du ruisseau de brasserie que tu es capable de... Tu sais, tu gardes ton 30 mètres, etc. Tu es capable d'aménager ça. Ça serait de toute beauté. Au cœur, facile d'accès d'Elmer, facile d'accès de partout. Une relance économique possible en revitalisant l'autre côté du ruisseau de la brasserie du côté ouest. Tu es capable de revitaliser sur le côté est de Saint-Rédempteur. Et tout ce terrain-là représente 190 000 mètres carrés. Oui, tu relocalises une polyvalente qui, de toute façon, je pense, si on disait à quelqu'un, je te donne une polyvalente dans l'île de Hull où tu la mettrais, je ne sais pas si tu la mettrais là. Fait que tu peux relocaliser une polyvalente. Une caserne d'incendie, à la limite, tu peux la laisser là. Ça peut desservir l'hôpital, sinon tu la bouges. Mais après ça, c'est des terrains de tennis et un soccer. Puis c'est du gazon. Donc, c'est extraordinaire comme endroit. Puis pour, on a 190 000 mètres carrés. Donc, ça excède l'exigence un peu folle de Québec de 150 000 mètres carrés. Puis tout le projet d'expansion peut être fait l'autre côté du ruisseau. Imaginez ce que ça pourrait avoir de l'air, finalement, utiliser, mettre à profit ce magnifique ruisseau de la brasserie, puis avoir des bâtiments de l'autre côté, à la limite. Alors, quand on décide de ne pas penser à l'extérieur de la boîte, on fait ce que Québec a fait. Trouve-moi un terrain assez grand pour que ça coûte cher. Je m'en sac si ça développe pas Gatineau. Je m'en sac si ça va coûter un bras de transport en commun puis que c'est pas à côté d'un site structurant. On sac de tout ça puis on pense quel est le meilleur site au niveau moins cher puis pas trop de troubles puis je suis capable de dans le fond défendre ça au niveau médical. Alors qu'on a la chance, un joyau entre les mains, la chance d'utiliser un investissement potentiel de 1,5 2 milliards de dollars pour créer une nouvelle communauté, pour donner un coup, par exemple, un coup d'envoi au centre-ville du secteur Hull. Ou un autre terrain. Je vous donne cet exemple-là parce que je connais plus les chiffres. Mais il y a peut-être d'autres terrains qui rencontrent des critères d'aménagement et d'urbanisme qui sont propres à la ville de Gatineau puis qu'on pourrait utiliser pour faire une pierre deux coups dans le fond. Mais pas s'en aller mettre ça dans un champ à l'extrémité de Gatineau pour dire ben c'est plus facile ou le promoteur a fait un bon deal ou le terrain coûte pas cher, ou etc. On ne devrait pas être là. On devrait partir table rase en disant quel est le meilleur choix, de façon pratique également. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, là, c'est toutes des propriétés à peu près publiques. Exemple pour Gertin, c'est toutes des propriétés publiques. Commission scolaire, c'est le Québec qui a payé pour ça. Les parcs, c'est Gatineau. Gertin, c'est Gatineau. Le GTMI, ça a été payé par Québec, etc., etc. Toutes des propriétés publiques, c'est assez facile d'agir. Puis il est stratégiquement positionné. C'est un exemple. Et le message que je lance aujourd'hui, c'est ne ratons pas l'occasion là, de mettre les bons joueurs autour de la table, d'utiliser les bons critères pour faire le meilleur choix qui va façonner les 50, 100 prochaines années une fois que le bâtiment va être là. Regardez là, l'hôpital de Hull, trouvez-vous qu'il est bien positionné? Ben non, c'est pas à bonne place. Mais on veut pas se ramasser dans 20 ans en disant, mais l'hôpital, il est pas à bonne place. Là, on a une chance de pas faire une Christophe d'erreur majeure en positionnant un actif de 1,5, 2 milliards de dollars, 7 000 employés, 1000 et plus personnes par jour qui commutent, qui transigent là, qui vont faire, ils vont aller prendre des soins, ils vont aller visiter du monde. Il faut que ça soit central, puis il faut qu'on s'en serve pour créer une économie verte, mais florissante également, à l'endroit où on va le localiser. Puis qu'on soit capable de penser aussi vers le futur, l'impact de ça vers le futur. Alors, on a une chance en or, et je suis très, très inquiet de voir que Gatineau ne se mêle pas du dossier. J'écoutais le nouveau conseiller d'Action Gatineau dans le centre-ville, qui ne défend même pas le centre-ville. C'est à rien y comprendre. Au moins, il défend le fait que Gatineau devrait être impliqué dans la décision. Ça, M. Morin, je reconnais cela. Il dit qu'il faut qu'il y ait d'autres critères que juste médicaux. Ça, c'est parfait. Il faut que Gatineau, donc, soit à la table. Et je pense que c'est un premier beau dossier pour la mairesse de Gatineau, France Bellil, qui pourrait là, donner une impression positive.
déjà avec le gouvernement du Québec en disant on va être partenaire, mais là, c'est un projet tellement important que faut que ça serve la ville de Gatineau également, mais pas nous desservir avec des coûts astronomiques pour toutes sortes de raisons, notamment en matière d'infrastructure, en matière de transport en commun. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Et il ne faut pas, et je ne pense pas, moi, qu'il faille trouver un terrain où est-ce que le gouvernement va être capable de dire, ben j'ai économisé sa construction. C'est bon pour Montréal, mais c'est pas bon pour Gatineau. Puis vous autres, là, ben on va créer des îlots de chaleur, on va faire du stationnement en surface, parce que ça coûte trop cher, des cases de stationnement souterraines. On a fait 5 étages à Montréal. Vous autres, vous allez vivre avec des stationnements en surface, puis pas grave, les îlots de chaleur, puis etc., tu sais. Puis évidemment, moins tu as de transport en commun, plus que ça te prend de cases de stationnement, ce qu'on pourrait éviter, notamment avec une position stratégique de l'hôpital. C'est ce que je voulais vous dire. Et je vous répète que dimanche, on va faire tirer 100$ dans le cadre de notre merveilleux concours. Bon, premièrement, l'indice du jour, c'est le mot hôpital. Hôpital, indice du jour. Écrivez ça dans la description, vous pourriez gagner 100$ cash dimanche. Deuxième chose, n'oubliez pas, le concours qu'on a, si vous allez dans la description, vous allez vous inscrire, vous êtes sûr de gagner. Les 1000 premières inscriptions gagnent. Écoute, on est rendu à plus de 250 000 pièces de prix là, qu'on va donner le 8 décembre. Puis je vous promets un cadeau spécial également venant de ma part. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mêlez-vous de ce dossier-là. Là. Regardez ça de près. Parlez à vos élus parce que c'est trop important pour laisser passer ça. On dirait qu'on est en train de s'en faire passer une petite vite. Là, puis moi, j'aime pas ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous retrouve demain pour un autre podcast. Les vraies affaires, zéro bullshit. OK, salut tout le monde.